Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo assez particulière. Alors déjà je voulais m'excuser pour mon teint, ma tronche, etc. Mais je reviens de Forest Hill, encore une séance de sport et donc forcément bah je ne suis pas maquillée, mais je suis plutôt contente de mes cheveux. J'ai testé des nouveaux produits là sous la douche à Forest Hill et c'est pas mal, donc je testerai un peu plus et puis je vous en dirai peut-être des nouvelles prochainement. Donc là, comme vous avez dû voir avec le titre de la vidéo, je fais une vidéo. Qui veut épouser mon pote? Dans la lignée de qui veut épouser mon fils, je vous fais un qui veut épouser mon pote. Parce que j'ai un très bon pote que j'aime énormément et qui est malheureusement célibataire. Et je recherche la perle rare pour lui. Alors, je lance un casting. Faites-le tourner, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment lui trouver la perle rare qu'il lui faut parce que c'est vraiment un mec très gentil. Donc d'abord, je vais vous donner les caractéristiques de la personne que je recherche pour lui. Donc je recherche une fille, étant donné qu'il est hétérosexuel. Au niveau de la tranche d'âge, lui m'a dit 22 ans minimum, 30 ans max, sachant qu'il a 28 ans. Moi, je dirais plutôt 24 minimum, mais bon. Voilà. Niveau géographique, l'île de France. On va éviter les relations à distance, mais bon, si vous êtes en France ou en Belgique ou en Suisse et que vous êtes intéressé, que vous répondez aux autres critères, tentez votre chance. Donc, plus particulièrement, Paris, proche du Parc des Princes, c'est pas mal parce qu'il suit le foot. Ou alors, dans le 95. Voilà, mais bon, l'île de France c'est déjà pas mal, la France, l'Europe, bref. Au niveau de la taille, taille minimum, on s'en fout. Taille mini maximale, moi j'aurais dit 1m70, lui il m'a dit 1m75. On voit ça. Préférence pour les brunes, mais n'a rien contre les rousses ni les blondes. Voilà, au niveau des qualités, il serait quand même préférable que la demoiselle sache cuisiner. Donc en fait, c'est des qualités que j'ai rajoutées moi. Il faut que la jeune fille soit quand même un minimum gentille et douce, parce que besoin de câliner mon petit pote. Voilà, je dirais qu'il faut que la jeune fille ait un minimum le sens de la famille. Pas qu'elle soit phobique du foot, hein, t'as rien fouteux. Pas autant que le mien, quoique j'en sais rien. Je vais pas avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Deux préférences, mais voilà, bon, là, c'est juste moi qui rajoute des choses comme ça. Je pense que ça serait bien que la jeune fille soit orthodoxe ou chrétienne, enfin, par là. Faut que la jeune fille soit quand même fidèle et monogame, car je recherche quelqu'un pour lui sur du long terme, c'est-à-dire pas pour un coup d'un soir. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah oui, il m'a dit éviter les végétariennes. Je lui ai expliqué que ça ne changeait rien, il m'a cru, donc bah, peu importe. Hein, mais bon, si vous êtes omnivore, venez croquer. Alors voilà. Si vous pensez correspondre à ces critères, que vous êtes célibataire, parce que oui, hein, si vous êtes avec quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose. Vous connaissez quelqu'un qui est célibataire. Et qui correspond à cette description. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter, à faire tourner cette vidéo. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour un pote qui est vraiment adorable, qui mérite de trouver l'amour et d'être heureux, parce que sincèrement, il le mérite. C'est vraiment un mec génial. Moi, j'ai déjà mon chéri, hein. Bah, je compte sur vous. Si jamais vous passez vers là, vous correspondez aux critères, commentez, envoyez-moi un message. Qui veut épouser mon pote, quoi. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur la personne, envoyez-moi des messages et je verrai si je vous fais une vidéo sur mon pote en question. Voilà, ciao!